la crise Covid, elle est réelle chez nous, hein, et elle est réelle depuis quelques semaines. Et j'en veux pour preuve cette petite courbe, je ne sais pas si vous la voyez bien, où on constate bien entre les deux dernières semaines, cette pente qui augmente brusquement. Nous sommes passés entre la semaine 29 et la semaine 30, entre 4 interventions moyennes par jour à 12. Ça fait 3 fois plus. Donc ça montre bien que la quatrième vague est là et on va continuer, je pense, à augmenter. C'est préoccupant et j'en profite pour dire que la décision du préfet de faire ce confinement, justement, va permettre d'abaisser, enfin on espère tous, mais on l'a constaté, d'abaisser ce qu'on appelle chez nous le bruit de fond, les accidents de la route, les accidents à domestique, de manière à pouvoir nous consacrer à ces transports Covid. D'ailleurs, c'est l'objectif, d'ailleurs, tout le monde l'a bien compris, j'espère, que de ce confinement, c'est ne pas arrêter l'économie, mais un peu la calmer, de manière que les risques soient moins prégnants et qu'il y ait moins d'interventions de chez nous.